Je vous jure que j'ai pas craqué. Je vous le promets. C'est vous qui avez craqué. Bon d'accord, merci Ludovic, le titre est faux. Je n'ai pas acheté les AirPods, mais ils sont quand même là, merci Rafa. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais que ça fait des mois que je veux absolument les AirPods. Mais je les veux pas comme t'aurais envie de ta copine, merci Bob. Je les voulais encore plus que ça. Il faut bien comprendre que ça fait des semaines que sur Twitter et Snapchat, vous me narguez H24. Je reçois minimum, grand minimum, 5 photos d'AirPods par jour. Donc c'est comme si ta copine t'envoyait des nudes tout le temps, mais que tu la voyais jamais. Et ouais mon gars, c'est chaud. Le problème, merci Alexis, c'est que merci Thomas, j'ai d'autres choses à payer. La vie active, tout ça, tu connais. C'est un appareil, merci Aurélien, qui coûte très cher, merci Maxime. 179€. Disons qu'avec ça, je pouvais m'acheter autre chose que des écouteurs aussi bons qu'ils soient. Est-ce qu'ils les valent? Merci Arthur, merci André, c'est ce qu'on verra prochainement dans mon test. À force que je vous en parle, c'est devenu un running gag. Merci Kevin, merci Adrien. Laissez-moi vous dire que ce running gag est terminé. Il est terminé parce qu'il s'est passé un truc assez fou, merci Charles. Un ami, Mathieu, merci Mathieu, a créé une cagnotte nommée des AirPods pour Léo. Cette cagnotte semble être le dernier recours pour que Léo arrête de nous parler des AirPods qu'il n'a pas 16 fois par jour. Pardon, ça m'a beaucoup fait rire. Après vos montages photos, après toutes vos blagues là-dessus, il est allé jusqu'à créer une vraie cagnotte. Merci Stéphane. Je l'ai vite partagé parce que ça m'a fait marrer, me disant que jamais de la vie vous alliez le faire. Et j'y croyais vraiment, merci Céline. La suite tu la connais, merci Antoine, merci Adriano, merci Michael, merci Florian, merci, merci, merci. À vous tous, en l'espace d'une journée, vous avez dépassé les 179€ et les voilà. Vous êtes juste des malades et c'est pour ça que je vous aime. Maintenant, je vous propose qu'on déballe ça. Oh putain! Assistant couteau. Merci. Ok, elle est partie. J'ai l'impression que je vais circoncire quelqu'un là. C'est un nouveau-né le truc. Est-ce qu'il y a un bruit de blister? Je veux un bruit de blister. Oh putain. Putain, ça fait du bien. Assistant, papier. Oh bordel. Bah, je vais pas te le faire dans les airs hein, parce qu'on va éviter de les faire tomber, mais moi je vais. Moi je kiffe en fait. Oh putain! J'ai encore eu la mauvaise surprise de croire qu'ils sortent directement alors qu'en fait c'est le papier. Bon, ok, AirPods, machin et tout, ça on s'en fout, on est d'accord, hein. On sait comment ça marche. Hein. Depuis le temps que j'en parle, faudrait que je sache comment ça marche quand même. Oh putain, c'est minuscule, c'est juste minuscule. Bon, la boîte elle est très simple, y a pas grand chose, hein. J'imagine qu'il y a un câble lightning derrière, c'est ça. C'est tout petit, putain. Oh non. Il y a un tout petit bruit de blister, mais c'est pas grand chose. C'est minuscule, c'est vraiment minuscule. Putain la vache. Ah oh, c'est beau, ah oh, bordel. Encore, je kiffe. Ah, bordel de merde. Ok, téléphone. Merci, assistant téléphone. Alors, comment on fait ça? On les sort. Ok. Oh, putain de bordel. J'ai à peine ouvert le truc, je mets l'iPhone à côté, il met mes connexions directes. Qu'est-ce que c'est bon, putain, la vache. Et voilà, ça y est, c'est fait. J'ai rien eu à faire. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'intelligent, ça ne me sert à rien. Voilà, merci Apple, on est des putains d'assistés. C'est génial. Voilà, qu'à ressemble, les amis. C'est minuscule, c'est juste tout petit. Bon, on va tester ça, hein. Il y a un petit bruit, il y a un petit bruit qui dit hey, bienvenue. Bon, alors maintenant, c'est la question de à quoi je ressemble. Ah, voilà. Je vous laisse juger. Alors, il y a forcément un petit côté extraterrestre. Hein. Je pense que dans la rue, on va me regarder un peu bizarre, mais moi, j'en vois de plus en plus. Et vous ne m'entendez pas d'ailleurs, parce que le micro est derrière moi. Alors, bon, de la musique maintenant, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va mettre? Ah, putain, il faut bien que je choisisse. C'est mon premier son avec les AirPods. Oh, déjà, il y a le petit bruit du clavier. Oh, c'est trop bien. Là, c'est le moment où toi, t'entends rien et moi, je kiffe. Mes sentiments dans la Macarena. Oh là là. C'est mortel. Le son est putain de fort. Et franchement, il est bon. Alors, je vais parler avec la musique dans les oreilles, hein, parce que je kiffe. Hein. Laissez-moi kiffer. Le son est fort. Le son est assez juste. Je trouve qu'il y a pas mal de basses. Après, clairement, si vous êtes habitué à du matos audio avec des qualités FLAC, etc., un Bose QC35, ce genre de choses, bien sûr, c'est incomparable. Mais là, on parle pas que de qualité audio, on parle de confort d'utilisation. T'as vu rien que pour les appairer. C'est juste magique. C'est exceptionnel. Je parlais de tout ça dans mon test. Là, c'était juste un petit déballage pour vous montrer tout ça, pour vous montrer ma joie et surtout pour vous remercier pour cette cagnotte. Je n'avais pas payé de préservatif. Je peux passer, oh, c'est trop bien. T'enlèves un écouteur, ça m'épose. C'est exceptionnel. Hein? Et attends, si je remets l'écouteur. C'est trop bien. Bon, bah écoutez, c'est pour ça que je m'intéresse à la tech. C'est pour ce genre de choses que je fais des vidéos, pour ce genre de produits magnifiques. Je vais garder un écouteur parce que ça me met dans l'ambiance et en plus, vous le voyez pas trop. C'est ça qui est cool. C'est ça, la life. Ah, putain, oui, Siri. Il fait quel temps à Barcelone? Aïe 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 aïe. Oh bordel, qu'est-ce que je kiffe, putain! Encore merci. Merci beaucoup. Vous le savez, la tech c'est mon truc, ça me procure quelque chose de voir ce genre de beauté, putain de bordel de merde, c'est un bijou. Je suis aussi plutôt Apple. Plutôt oui. Et encore plus pour ce genre de produit. Mais le fait que vous me les ayez offerts, c'est le plus beau des cadeaux. Alors merci d'être vous. Alors maintenant, on va travailler sur cette putain de chaîne et faire en sorte que vous n'ayez plus à me payer des produits pour avoir un test. Merci à tous. Merci infiniment à tous. C'était le vidéo. Yeah.